وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. Donc alhamdulillah, nous continuons mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point, c'est le point des personnes âgées. Très âgées, tellement âgées que plus les jours ils passent, plus sa santé diminue. C'est-à-dire chaque jour qui passe, sa force et sa santé diminuent. Jusqu'à qu'il retourne chez Allah, tabarak wa ta'ala. Cette personne-là, il ne lui est pas obligé de jeûner. Et même dans certains cas, ce sera obligé pour elle de rompre le jeûne. Comme la personne âgée qui jeûne, et ce jeûne-là peut être la cause de sa mort, ou bien de perdre un de ses membres. Cette personne-là, elle lui sera obligée de rompre le jeûne. Et subhanallah, on a beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas écouter. Moi-même, j'ai une voisine qui est très âgée. Elle prend des médicaments. En plus, elle est très fatiguée, très âgée. Plus de 70 ans, mais elle n'a pas la forme. Je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle jeûne, et quand elle jeûne, elle a la tête qui tourne, elle est à deux doigts de tomber, elle ne prend pas ses médicaments, mais elle jeûne quand même. Elle jeûne quand même. Pour elle, elle se dit, toute ma vie j'ai jeûné, c'est pas possible que je jeûne pas. Elle voit qu'il y a un manquement. Il y a un manque. Si elle jeûne pas, c'est comme si elle avait fait quelque chose en moins. Alors qu'Allah, tabarak wa ta'ala, ces gens-là, il leur a rendu obligatoire de rompre le jeûne. C'est-à-dire que s'ils jeûnent, ils ont un péché. Et ne vous jetez pas vous-même à votre perte, à votre mort, car Allah est en vérité miséricordieux envers vous. Donc une personne qui, quand il jeûne, c'est un danger pour sa vie, il fait un péché en jeûnant. Et ce qui est obligatoire pour cette personne, c'est de rompre le jeûne. Et de nourrir un pauvre pour chaque jour qu'il n'aura pas jeûné. Et s'il n'a pas, laissa alayhi shay. S'il n'a pas le moyen de nourrir un pauvre, laissa alayhi shay. La yukallifullahu nafsan illa wusa'a. Fattakullaha mastata'atum. Et dans cette personne-là, si elle n'a pas les moyens de même nourrir un pauvre, elle ne jeûnera pas et elle n'aura rien à faire. Non. De même, une personne qui est tellement âgée qu'il perd sa raison, qui ne sait plus ce qu'il fait. Cette personne-là, il ne devra ni jeûner, ni même nourrir un pauvre. Car il n'est plus responsable de ses actes. C'est comme le fou qui a perdu la raison, ou bien un enfant qui est encore trop jeune. La personne qui est trop âgée au point de perdre la raison, il n'est plus responsable de ses actes. Donc, on ne l'oubliera, on ne lui demandera ni de jeûner, ni de nourrir. Par contre, s'il perd la raison de temps en temps, et il trouve la raison à d'autres moments, dans les moments où il a la raison complète, il devra jeûner s'il en a la capacité, ou nourrir s'il n'en a pas la capacité physique. Et dans les moments où il perd la raison, il n'a ni jeûne ni nourriture à donner. Non. De même, la personne qui combat au service d'Allah, et dont son pays est encerclé par l'ennemi pendant les jours de Ramadan, et que le jeûne le faiblit pour le combat, alors il rompra le jeûne même s'il n'est pas en voyage, même s'il n'est pas voyageur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans le hadith, de Muslim, quand ils sont arrivés le jour de l'Fath, le jour de la d'ouverture de la Mecque, la victoire de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: rompez le jeûne, car vous allez vous réveiller face à vos ennemis et vous avez besoin de force, et le fait de rompre le jeûne, c'est mieux pour vous. Certains vont dire: oui, mais il était voyageur. C'est vrai, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué la cause de la rupture du jeûne: c'est pour être assez fort devant l'ennemi. Donc on tire de ce hadith que quand on a besoin de se renforcer dans la bataille face à l'ennemi, même si on n'est pas voyageur,
on pourra rompre le jeûne. Cet avis est confirmé par la fatwa de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et tous les savants de la Syrie à son époque, quand les Tatars sont venus envahir la Syrie. Pendant Ramadan, ils ont fait la fatwa de demander à tous les musulmans de rompre aux combattants de rompre le jeûne alors qu'ils n'étaient pas voyageurs pour pouvoir repousser l'ennemi. De même, la personne qui rompt le jeûne pour une cause visible, claire, une maladie visible que tout le monde voit, et on le voit manger, ça va, on ne va pas se poser des questions parce qu'on se voit tout de suite que c'est une personne malade. Alors celui-là, il pourra rompre le jeûne même devant les gens. Il n'y a pas de mal. Bien que l'adab, la politesse, ce serait mieux qu'il le fasse autrement. Mais il le peut. Alors que les personnes dont la cause pour laquelle ils rompent le jeûne est cachée, n'est pas visible au premier regard, comme le voyageur, comme la femme qui a ses menstrues, comme quelqu'un qui a une maladie qui n'est pas visible, on le voit en pleine santé, il marche normalement. Alors cette personne-là, il sait mieux qu'elle rompe le jeûne en cachette et non pas devant tout le monde. De même, dans les maisons, ça fait partie de la pudeur. Dans les maisons, que par exemple la femme et les filles, quand elles ont leur période de règles, elles ne mangent pas devant les fils, les frères et le père. Elles marchent, elles mangent devant elles. Ça veut dire, c'est comme si elles disaient à tout le monde, ça y est, je suis dans mes périodes. Ah, d'achat, il s'est passé une chose, qu'il faut de la pudeur. C'est une chose que la femme, elle cache. Elle n'a pas besoin de le montrer, de le dire à tout le monde. Donc, si elle a besoin de manger, elle va dans la cuisine, elle mange seule. Et après, devant tout le monde, elle ne boit pas, elle ne mange pas devant tout le monde pour ne pas les gêner. Non. En ce qui concerne la personne âgée. Maintenant, nous allons parler d'un autre point. Al-niyyah fi siyam, l'intention dans le jeûne. Sache qu'Allah te guide à son obéissance. Que le fait d'avoir l'intention dans la nuit, c'est une obligation. Et que celui qui n'a pas l'intention de jeûner la nuit avant que le fajr ne rentre, la siyam ala, il n'a pas de jeûne. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit dans le hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, n'a pas de jeûne celui qui n'a pas l'intention de jeûner dans la nuit. Cette intention, elle peut être à n'importe quel instant de la nuit, après le coucher du soleil jusqu'à avant le fajr, ne serait-ce qu'un instant ou une seconde avant le fajr, s'il a mis l'intention de jeûner, son jeûne sera valide. De même, barakallahu fikum, que l'intention, en fait, c'est quand le cœur décide de faire un acte. C'est ça l'intention. Quand dans ton cœur, tu as décidé de faire un acte, ça y est, tu as l'intention. Et prononcer la niya avec la langue, c'est une bid'a, c'est une innovation dans l'islam. C'est interdit. Que ce soit dans le jeûne, ou que ce soit dans la prière. Comme souvent on entend, on va pour aller faire la prière, souvent derrière moi j'entends. Nawaitu ta 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 ta. Nawaitu salat kada, ma'a imam kada, fi yawm kada, faridat kada. Celui qui fait une chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, c'est refusé par Allah. Ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni sahaba, ni l'a'imma, il ne disait l'intention avec la langue. Bel niya, c'est dans le cœur. Toute personne qui sait que demain c'est Ramadan et lui il veut le jeûner, ça y est, il a mis l'intention. C'est ça l'intention. De même que celui qui dans son cœur, en pleine journée de Ramadan, il se dit, ça y est, je mets l'intention de rompre le jeûne, je romps le jeûne. Mais il n'a pas rompu, ni bu, ni mangé, ni fait l'acte, ni il n'a fait aucun acte qui rompt le jeûne. Son jeûne sera valide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah ne vous demandera pas des comptes sur ce qui se passe dans vous-même. Ce que votre âme vous insuffle, tant que vous ne dites rien et vous ne faites rien. C'est-à-dire, نحن مؤاخذون على ما نقول وما نفعل. Allah va nous demander des comptes sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on fait, et non pas sur ce qui tourne dans notre tête ou dans notre cœur. Barakallahu fikum. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, chaque nuit, il doit remettre l'intention de jeûner le lendemain. Le même, celui qui s'est levé à la fin de la nuit pour manger, ça prouve qu'il avait l'intention de jeûner. Sinon, pourquoi il se lève à ce moment-là pour manger?
Idan barakallahu fikum. Ne vous posez pas trop de questions. Niya, est-ce que j'ai mis niya, j'ai pas mis niya, est-ce que j'ai la mine. Tout ça, c'est des wasawis de shaitan. Un niya, c'est si tu as l'intention de lendemain de jeûner, ça y est, tu as mis la niya. Si demain tu sais que c'est Ramadan et toi tu as l'intention de le jeûner, ça y est, ta niya, c'est ça la niya. Il n'y a rien d'autre à part ça. Non. Cette intention, elle doit être sincère pour Allah. C'est-à-dire que tu fais l'intention de faire ce jeûne, pourquoi? Pour plaire à Allah. Taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala, pour t'approcher d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour qu'Allah soit satisfait de toi. Et non pas pour plaire à tel ou tel, ou par tradition, ou juste à, si je le fais pas, aïb. C'est aïb, les gens ils vont me regarder si je le fais pas, aïb. Là, Allahu ahaqqu an yustahiya min. Allahu, c'est on doit avoir honte d'Allah avant d'avoir honte les autres, des autres. Allah tabaraka wa ta'ala nous voit, nous entend où que l'on soit. De même que pour les jeûnes surérogatoires, certains savants ont dit, il y a une divergence. Est-ce qu'il faut l'intention dans la nuit, ou on peut, par exemple, une personne qui s'est réveillée le matin, il n'a rien mangé, il n'a rien bu, il dit, tiens, aujourd'hui je vais jeûner. Certains savants disent que ça c'est possible pour les jeûnes surérogatoires, mais pas pour le jeûne obligatoire, ou pas pour le jeûne surérogatoire muqayyad, par exemple le jour de Arafah, Ashura, un jour précis qui est dans l'année. Ils disent cela, non, il faut l'intention dans la nuit. Mais par contre, un jeûne, n'importe quel jeûne, comme ça, un jour tu t'es réveillé, tu dis, tiens, j'ai rien à manger, j'ai rien à boire, ou j'ai pas bu, j'ai pas mangé, tiens, aujourd'hui je vais jeûner. Est-ce que tu peux le faire ou non? Fi khilaf bayn al-ulama, les savants ont divergé, chacun a ses preuves. Je vais vous expliquer en fait pour quelles raisons ils ont divergé en deux mots. Mais Allahu a'lam, le plus sûr, c'est que ce soit pour n'importe quel jeûne, obligatoire, ou bien sûr érogatoire, il faut mettre l'intention dans la nuit. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de tous les jeûnes, a dit, il n'y a pas de jeûne à celui qui ne met pas l'intention dans la nuit de jeûner. Tayyib, ceux qui ont dit, l'ilfa'ida, je vous le dis pour que, Inch'Allah, si un jour vous entendez un autre avis autre part, vous sachiez pourquoi ils ont pris cet autre avis-là. Ceux qui ont dit que c'était permis pour les jeûnes surérogatoires de mettre l'intention dans la journée, à condition qu'on n'ait rien mangé ou rien bu et rien fait qui rompe le jeûne auparavant. Ils se sont basés sur quel hadith? Le hadith rapporté par l'imam muslim. Où Aïcha radiallahu anha a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez moi un jour et a dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Elle a dit non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans ce cas, je suis en état de jeûne. Puis, il est venu nous revoir un autre jour et a dit, on lui a dit, ô messager d'Allah, on nous a donné une nourriture qui s'appelle Hiss, ou Hiss. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, montrez-le-moi. Il a dit, ramenez-le-moi car j'avais commencé le jeûne aujourd'hui. Asbahtu sa'iman. J'étais en état, j'avais commencé le jeûne, montrez-le-moi. Après il a mangé. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, le jeûneur qui fait des jeûnes surrogatoires, amiru nafsihi, c'est le dirigeant de lui-même. S'il veut, il peut rompre son jeûne, et s'il veut, il peut jeûner et continuer son jeûne. Voilà le hadith sur lequel certains savants se sont basés pour dire qu'il est permis de jeûner en pleine journée. Ceux qui ont dit de mettre l'intention en pleine journée, ceux qui ont dit que ce n'était pas permis, ils ont répondu à ce hadith. Ils ont dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu la première fois, a demandé à Aïcha radiallahu anha, est-ce que vous avez quelque chose? Quand elle a dit non, il a dit dans ce cas-là, je suis en état de jeûne. Ça ne veut pas dire qu'il a commencé le jeûne maintenant. Mais il avait commencé à jeûner auparavant, puis il a voulu changer d'avis. S'il y avait à manger, il aurait mangé. Comme il n'y avait pas à manger, il a dit je suis dans ce cas-là en état de jeûne, je continue mon jeûne. La preuve de cela, c'est la fin du hadith. L'histoire de quand il a reçu la nourriture la deuxième fois. Il a dit, j'étais en état de jeûne depuis le matin. Puis il a vu qu'il y avait de la nourriture, cette fois il a mangé. Et à la fin du hadith, il a dit, le jeûneur est le chef de lui-même. S'il veut rompre, il rompt. S'il veut continuer, il continue. Donc, quand on prend le hadith dans sa totalité, on comprend qu'en vérité, ça ne veut pas dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas réveillé dans l'intention de jeûner depuis le matin.
Idem, c'est pour ça qu'on dit que l'ahwat, le plus sûr, c'est de mettre l'intention de jeûner dans la nuit. Cheikh l'Islam, lui, dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Fa'inni idan sa'im » Il a dit dans la langue arabe, ça veut dire que c'est maintenant qu'il a commencé à jeûner. Sinon, il n'aurait pas dit « Fa'inni ». Al-muhim, fihi akhwarat bin al-ulama, hada lil-fa'ida, je voulais l'énoncer pour que chacun voit. Wallahu a'lam, l'ahwat, le plus sûr, c'est que pour tout jeûne, que ce soit obligatoire ou surrogatoire, il faut mettre l'intention dans la nuit, c'est-à-dire avant le fajr. Non. De même que celui qui a commencé un jeûne obligatoire, il ne lui sera pas permis de rompre son jeûne en plein jour sans raison valable, sans une raison qui lui aurait permis de rompre son jeûne dans un jour de Ramadan, par exemple. Donc, celui, par exemple, qui rattrape un jour de Ramadan, c'est un jeûne obligatoire, il lui sera obligatoire de finir ce jeûne. Par exemple, un nadr, celui qui a fait le vœu de jeûner pour Allah, celui-là, c'est une obligation. Il devra finir son jeûne s'il l'a commencé. Al-kafara, les expiations. La personne qui avait fait un parjure, c'est-à-dire qui a juré une chose, il ne l'a pas fait. Celui-là, qu'est-ce qu'il doit faire? Nourrir 10 pauvres ou bien les habiller. S'il ne trouve pas de qui nourrir ou les habiller, il jeûnera 3 jours. Il n'a pas le choix, comme certains croient. Beaucoup de jeunes ou beaucoup de frères croient qu'il peut jeûner 3 jours. J'ai dit de jeûne parce que je disais le jeûne. Beaucoup de siens, c'est pas les jeunes, beaucoup de frères ou de sœurs croient qu'ils ont le choix. S'ils veulent, ils nourrissent ou s'ils veulent, ils jeûnent. Là, si tu as les moyens, tu es obligé de nourrir 10 pauvres pour expier ton parjure. Quand tu as dit Wallah, par exemple, je vais faire telle chose, je ne vais pas faire, puis tu ne l'as pas fait, tu devras obligatoirement nourrir 10 pauvres. Sinon, les habiller, les vêtir entièrement, 10 pauvres. C'est-à-dire, les vêtir, c'est quoi? Un dessus et un dessous. C'est ça les vêtir. L'obligation. Un vêtement pour le haut, un vêtement pour le bas. Et si tu n'as pas, dans ce cas-là, il te sera permis de jeûner 3 jours. Pour expier ton expiation du parjure. Non. Autre chose, la personne qui ne savait pas que le mois de Ramadan est entré, il ne sait pas. Il a commencé à manger en journée. Une personne est venue le voir et dit, « Akhil Karim, on est Ramadan. » Première chose, il lui est obligé d'arrêter de manger le reste de la journée. Ça, c'est... Tout le monde est clair sur cette question. Mais est-ce qu'il devra rattraper ce jour-là ou non? Il y a divergence entre les savants. Certains disent qu'il devra le rattraper car il n'a pas mis l'intention dans la nuit. Et d'autres disent qu'il ne devra pas le rattraper car il ne savait pas. L'intention, tu peux la mettre que si tu sais. L'intention, elle suit l'ilm, la connaissance. Si tu n'as pas connaissance d'une chose, tu ne peux pas mettre l'intention. Le jeûne n'est pas valable pour celui qui ne met pas l'intention de la nuit, pour celui qui avait la capacité de mettre l'intention, qui avait le savoir. Et ils se sont basés sur un hadith qui s'est passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand au début de l'islam, le jeûne du jour de Ashura était obligatoire, les 2 premières années de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, une fois qu'il a su que c'était obligatoire, il leur a dit, celui qui a mangé parmi vous, qu'il finisse le jeûne. Et celui qui n'a pas mangé, alors qu'il continue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le jeûne de ceux qui avaient mangé auparavant. Pourquoi? Car il n'avait pas la connaissance de l'obligation du jeûne de jour de Ashura. De même, celui qui n'a pas la connaissance de l'entrée du mois de Ramadan, il est dans le même cas. Wallahu a'lam. Ça c'est l'avis que je pense être le plus juste, mais l'ahwat, le plus sûr. Si quelqu'un veut prendre la sécurité, il rattrapera quand même ce jour-là. Pour sortir de la divergence des savants. Naam. Donc, la personne qui est en prison ou qui est dans un endroit où il ne peut pas savoir est-ce que le mois de Ramadan est entré ou non. Si il a l'information de gens de confiance, alors il devra prendre leur information et jeûner. Et rompre le jeûne en même temps qu'eux. Par contre, s'il n'a aucune information, il ne sait pas, il fera ce qu'il pensait être juste, c'est-à-dire il fait l'ijtihad, il regarde, essaie de trouver la lune, la nouvelle lune, s'il ne sait pas, avec le calendrier, ou avec ce qu'il peut. Dès qu'il pense que le mois de Ramadan est entré, il commence à jeûner. Et dès qu'il pense qu'il est sorti, il arrête de jeûner. Sachant qu'un mois, c'est jamais moins de 29 jours, et jamais plus de 30 jours. Par contre, si son jeûne
a commencé avant l'entrée du mois de Ramadan, alors son jeûne ne sera pas valable. Si après, par exemple, il se rend compte qu'il a commencé à jeûner 3 jours avant Ramadan, ces 3 jours-là ne seront pas comptés comme Ramadan, il devra rattraper les 3 jours qui lui manquent. Non. Donc il y a 3 cas. Il y a le cas où quand il a fait l'effort de savoir, il est tombé juste. Il a commencé en même temps que tout le monde, il a fini en même temps que tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. Son jeûne est valide. Le deuxième cas, il a commencé en retard. Il pensait que Ramadan, c'était après-demain, par exemple. Personne ne pouvait l'informer. Il a commencé 1 jour ou 2 jours après les musulmans. Et il a fait ses 29 jours ou ses 30 jours. Si il a jeûné 29 jours et les musulmans avaient jeûné 30 jours, il devra rattraper 1 jour, il lui manquera 1 jour. S'il a jeûné 30 jours, son jeûne est valide, même s'il a commencé en retard, parce qu'il aura fait le nombre de jours voulu. Donc les jeûnes qui viennent après, ça rattrapera ce qui lui manquait d'avant. Par contre, si il commence le jeûne avant l'entrée de mois de Ramadan d'un ou deux jours, alors il devra rattraper le nombre de jours qui lui manque après l'entrée du mois de Ramadan. C'est-à-dire, il lui manquera 2 jours à rattraper. Naam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa qur rabbi zidni ilma.